Voilà le salon. Je ne peux pas vous donner ma réponse tout de suite. Je ne veux pas vous presser. Vous êtes veuve depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Je prends la chambre. Vous vivrez avec nous, alors, comme si vous faisiez partie de la famille. C'est quoi ces histoires qu'on raconte sur toi? Seul au monde, pauvre garçon, comme moi. On a de la visite. Y'a un gamin qui habite ici? Non. Me mens pas. Laissez un peu que j'enlève votre veste. C'est un jeune homme, très bien. Ah, vous verrez, je suis très sentimentale. Il a quel âge? Il est jeune. Mais qu'est-ce qu'il veut? Vous prenez combien? Enfin, je veux dire, il faut bien que je sache. Ces gars-là couchent avec la propriétaire, c'est automatique. On peut pas te laisser seul 5 minutes. Oh, Mr. Sloan est au-dessus de ça. Oh, j'ai l'impression que la fermeture de cette nuisette ne va guère tenir très longtemps. Tu ne me fais pas confiance. Tu l'emmènes avec toi. On se disait que c'était mieux que j'aille vivre avec lui. On aurait pu éviter tout ça. Ouh, c'est un vilain garçon, non? Un très vilain garçon. Je serai votre maman. Il n'y aura plus à te plaindre de moi à l'avenir. Oh, quel gros bébé vous faites!